La notion du but. The notion of a goal. Lis pour nous Luc 12, verset 47. Read for us Luke chapter 12, verse 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Il faut avoir des objectifs clairs en matière de gagnement des âmes. We must have clear objectives with regards to soul winning. Dans tous les domaines de l'activité humaine, in every domain in human activity, il faut toujours bien définir le but qu'on veut atteindre. We must always clearly define the goal tous that les we domaines want to de l'activité humaine. In every domain of human activity, il faut toujours bien définir le but qu'on veut atteindre. We must always clearly define the goal that we must accomplish. Nous savons que le Seigneur a demandé d'annoncer l'évangile. You know that the Lord has asked us to proclaim the gospel. Au début du message, nous avons appelé ça la grande commission. At the beginning of the message, we called it the great commission. Donc, le vrai du vrai n'est pas de savoir quelle est notre grande commission. So the true issue is not to know what our great commission is. Il faut pouvoir définir comment nous comptons la réaliser. We must define how we aim at accomplishing it. Avec quel moyen? With what means? À quel rythme? At what rhythm? Comment comptes-tu t'y prendre? How do you intend to go about it? Sur la base, sur une base quotidienne. On a daily basis. Dans le passage que nous venons de lire dans Luc. In the passage that we just read in Luke. Il est dit que l'ouvrier qui a connu ce que son maître veut. It is said that the worker who knew what his master wanted doit s'asseoir pour planifier comment faire la volonté du maître. The servant who knows his master's desire must sit and see do plan how to do his master's work. Le Seigneur dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. The Lord says, go into all the world and preach the good news. Du coup, tu ramasses la Bible, tu dis, je m'en vais dans le monde annoncer la bonne nouvelle. And you just get up and say, I'm going to the world to preach the good news. Tu vas faire un très mauvais travail. You will do a very bad work. Ça ne sera même pas l'opposition des démons. It will not even be the opposition of demons. C'est le manque de connaissances. It will be the lack of knowledge. C'est la superficialité. It's superficiality. Selon Dieu, according to God, chacun doit s'asseoir. Each one must sit. Planifier comment gagner sa famille, par exemple. And plan how he has to win his family, for example. Ou son quartier. His neighborhood. Ou sa ville. Or his town. Ou son village. Or his village. Ou la nation. Or the nation. Si tu es dans une nation. If you are in a nation. C'est l'ouvrier qui n'a rien préparé et n'a pas agi. Donc, le secret, c'est dans la préparation. It is the worker who did not plan and did not act. So the secret is in the planning. Les choses comme le but à atteindre, le prix à payer, tout ça, c'est ça qu'on appelle se préparer. Issues like the goal to achieve and the price to pay, that is what we call the preparation. La date du début. The date, the beginning date. C'est ça qu'on appelle se préparer. That's what we call preparation. La date de la fin. Si Dieu te bénit, tu vas finir quand? The end date. That is, if God blesses you, when do you intend to finish? Tu as quel âge? What age are you? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es âgé de 50 ans, if you are 50 years old, si tu dis qu'il te faut 60 ans pour accomplir ton but, if you say you need 60 years to accomplish your goal, ça veut dire que tu vas l'accomplir à quel âge? At what age would you accomplish it? À quel âge? What age? 110 ans. 110 years. Tu es sûr que tu vas atteindre 110 ans? Are you sure that you're going to get to 110? Tu peux décider que tu vas atteindre ton but en 5 ans. You can decide that you structure your goal in 5 years. Alléluia. Alléluia. Si un enfant a 15 ans, if a child is 15, s'il dit qu'il va atteindre son but en 60 ans,
And he says that he will achieve his goal in 60 years. On peut laisser. You can leave that. David, Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moses said, teach us how to number our days so that we should be wise. Quand tu vas rentrer, when you go back, tu planifies comment tu vas gagner les âmes. Plan how you are going to win souls. Tu es très fort dans quel domaine? In what domain are you so strong? Tu vas utiliser quoi? Les livres, les traités? What are you going to use? Would you use books or tracts? Les films? Or films? Les sorties? Or outings? Ton message de base sera quoi? What is your basic message? Finet a entretenu son réveil avec l'esprit de, il appelait ça l'esprit de prière. Finet managed his revival with what he called the spirit of prayer. L'esprit de prière. The spirit of prayer. Qui lui permettait de dire tout ce qu'il veut dire. Which permitted him to say all that he wanted to say. Qui connaît le message que le frère a gardé le réveil avec? Who knows the message that Brother Zach kept the revival with? Pure heart, le cœur pur. Cœur pur, pure heart. C'est son message. Quand, même s'il dort, there's this message that even if he's asleep and you get him up, il te dessine les cœurs que nous avons vus sur le tableau. He will draw the heart that we saw on the board. Le cœur pur. The pure heart. S'il n'y avait pas ce message, on aurait des vaillants, mauvais, méchants. If this message was in existence, would have had mighty men. Et orgueilleux. Evil, bad and proud. C'est cet enseignement-là qui a donné la naissance à la liste des idoles que nous connaissons. That is the message that gave birth to the list of idols that we know. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le cœur pur. The pure heart. C'est-à-dire que même si on veut déjà rétrograder, si bombarde ça, tout le monde va bien s'asseoir. That is, even if we want to backslide, when it just comes and it bombards, all of us come back alive. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc la première chose que nous devons faire, c'est de planifier notre vie d'évangélisation, quel que soit notre appel. So the first thing that we must do is to plan a life of evangelism, whatever our call be. Quel que soit nos dons. Whatever our gifts. Écoutez ça très bien. Lisez pour nous 2 Timothée chapitre 3 verset 14 et 17. Verset 14 à 17. Read for us 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. Et écoutez bien ce que Paul dit à Timothée. Listen attentively to what Paul tells Timothy. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is God's breath, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. 2 Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothée 4, verse 1 to 5. Je t'en conjure devant Dieu
et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Chacun doit remplir correctement son ministère. Each one must discharge his ministry. Et chacun doit faire l'œuvre d'un évangéliste. And each one must do the work of an evangelist. Si tu es évangéliste, if you are an evangelist, tu dois donc doubler tes efforts. You must double your efforts. Si tu es pasteur, if you are a pastor, tu fais d'abord bien, tu remplis bien ton ministère. First of all, you discharge the duties of your ministry. Tu fais l'œuvre d'un évangéliste. And you do the work of an evangelist. Chacun doit s'attacher à son ministère d'abord. Each one must attach himself first of all to his ministry. Et l'accomplir avec joie. And accomplish it with joy. Avec efficacité. With efficiency. Et puis, and then, faire l'œuvre d'un évangéliste. And do the work of an evangelist. C'est-à-dire que tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit travailler pour gagner les âmes. Each one must work to win souls. Bien qu'étant très attaché à son ministère, chacun à son ministère. Si tu es prophète, if you are a prophet, tu accomplis d'abord ton ministère. First of all, accomplish your ministry. Mais tu fais l'œuvre d'un évangéliste. And then you do the work of an evangelist. Parce que la commission allait apporter la bonne nouvelle là, c'est à tout le monde. Because that commission go and preach the good news to all creatures, for everyone. Les spécificités que les dons apportent, the specificities that gifts bring, sont pour le fonctionnement du corps de Christ. Are for the functioning of the body of Christ. Et son édification. And its edification. Remplis bien ton ministère. Fulfill the duties of your ministry. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Do the work of an evangelist. Vous savez que Timothée était un enseignant. You know that Timothy was a teacher. Paul lui dit même de lire beaucoup. Paul even told him to read a lot. De s'attacher à l'enseignement. To attach himself to teaching. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Bon, je pense que vous êtes fatigué, mais applaudissez donc si vous voulez applaudir. I think that you are tired, but you should clap at least. Alléluia. Tu vois, vous avez refusé d'applaudir, vous avez acclamé. You refused to clap, but you gave a round of applause. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Is there someone in this hall? Que le Saint-Esprit a touché. That the Holy Spirit has touched. Le Saint-Esprit a ouvert son esprit. The Holy Spirit has opened his spirit. Pour qu'il croie. For him to believe. Qu'il devienne enfant de Dieu. And become a child of God. Si c'est toi, if that is your case, lève ta main. Raise your hand. Si tu es dans cette salle, if you are in this hall, et que ton esprit s'est ouvert, and your spirit is open, pour croire au Seigneur Jésus, to believe in the Lord Jesus, lève ta main comme la mienne. Raise your hand like mine. Lève ta main. Raise your hand. Venez. Come. Que tout cela vienne ici. Let all those ones come here.
Venez courageusement ici. Come courageously to the stage. L'Esprit de Dieu t'a touché. The Holy Spirit, the Spirit of God has moved me. Et tu as dit oui. And you said yes. Viens. Come. L'Esprit de Dieu t'a touché. The Spirit of God has moved you. Tu as dit oui. And you said yes. Viens. Come. La parole de Dieu t'a touché. The word of God has moved you. La parole de Dieu t'a touché. The word of God has struck you. Tu as dit oui. And you said yes. Viens. Come. La parole de Dieu t'a touché. The word of God has struck you. Tu as dit oui. And you said yes. Viens, 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 viens. Come, 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 come. Tu as dit oui à Jésus. You said yes to Jesus. Non à Satan. No to Satan. Viens. Come. Tu as dit oui à Jésus. You said yes to Jesus. Non, 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 non à Satan. No, no, no to Satan. Viens. Come. Viens. Come. Hallelujah. Acclamons pour Jésus-Christ. Hallelujah. Let's clap to Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tes yeux se sont ouverts. Your eyes have been opened. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ton esprit s'est ouvert. Your spirit has been opened. Tes yeux se sont ouverts. And your eyes have been opened. Tes oreilles se sont ouvertes. Your ears are open. Lève-toi et viens. Rise up and come. C'est le Seigneur qui t'appelle. It's the Lord that is calling you. Quand tu entends les gens dire que Dieu m'a appelé, c'est ce qui leur arrive. When people say that the Lord called me, that is what happens to them. Qui d'autre? Who else? Chante un chant pour les appeler. Si pendant que tu écoutes le chant, while you are listening to the song, si tu es délivré, tu te lèves, tu viens. If you are delivered, you should rise up and come. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Mon Seigneur veut te sauver. Ce bonheur qui t'est donné, il mourut à Golgotha, il mourut pour toi et moi, il mourut. Lève-toi et viens. Rise up and come.
Lève-toi et viens. Rise up and come. Les péchés, il a porté. Ce Jésus qui te transforme. Il bannit ton noir passé. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu n'es pas de la CMC. If you are not of CMFI, si Dieu t'a dit de venir, if God has told you to come, de venir le servir avec nous, to come and serve him with us, lève ta main. Raise your hand. Viens. Come. Que tous ceux-là viennent. Let all those ones come. Il a dit aux enfants d'Israël. He told the children of Israel. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. I'll give you shepherds after my heart. Ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. And they will guide you with wisdom and knowledge. Quand Dieu veut exaucer les prières des gens qui lui demandent le réveil. When God wants to answer the prayer of people who are asking for revival from him, il leur donne de nouveaux bergers. He gives them new shepherds. Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, because he told the children of Israel, mon peuple, my people, ceux qui te conduisent, that which leads you, c'est eux qui t'égarent, is that which makes you to wander, leads you astray. Si quelqu'un est devant toi, if someone is in front of you, il te cache le chemin, and is hiding the way from you, tu auras des problèmes toute ta vie. You have problems your whole life. Parce qu'il est devant toi, because he's in front of you, il n'avance pas. He's not moving. Tu ne peux pas avancer. You too cannot move on.
Il y a quelqu'un qui vit dans le péché qui n'est pas encore venu. Lève-toi et viens. There's someone who is living in sin who has not yet come. Stand up and come. Il devait se lever. You were supposed to stand. Mais il a résisté. But he resisted. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi tout de suite et viens. Stand up right away and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Il y a quelqu'un qui doit venir. There is someone who must come. Il y a quelqu'un qui doit venir. There is someone who must come. Moi, je crois au Saint-Esprit. I believe in the Holy Spirit. Lève-toi et viens. Rise up and come. Même quand les gens se lèvent, tu sais que ce n'est pas encore toi. Even when people are standing up, you know that it is not you yet. Lève-toi et viens. Rise up and come. Nous t'arrachons dans les mains du diable. We snatch you from the hands of the devil. Nous détruisons l'hypocrisie. We destroy hypocrisy. Nous détruisons l'hypocrisie. We destroy hypocrisy. Nous détruisons la rébellion. We destroy rebellion. Lève-toi et viens. Rise up and come. Jésus a dit, je suis à la porte, je frappe. Jesus said, I am at the door and I knock. Si quelqu'un entend ma voix, if someone, anyone hears ouvre my voice la porte, and opens the door, j'entrerai chez lui. I will come in to him. Je souperai avec lui. I will eat with him. Et lui avec moi. And he with me. Où es-tu? Where are you?
Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Où es-tu? Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens tout de suite, tout de suite. Rise up and come right away. Si tu ne te lèves pas, if you don't stand, tu seras jugé. You will be judged. Parce que le Seigneur a été patient et tu as endurci le cœur. Because the Lord has been patient. But you have hardened your heart. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as pas écouté. You cannot say that you did not hear. Tu ne pourras pas lui dire que tu ne connaissais rien. You will not be able to say that you did not know anything. Tu ne pourras pas lui dire que tu n'étais pas au courant. You will not be able to say that you were not aware. Il nous reste 2 minutes et on va commencer la prière. We have 2 minutes left to begin prayer. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must come, come right now. Dis à Satan, je t'abandonne, je t'abandonne, je t'abandonne. Tell Satan, I abandon you, I abandon you, and I abandon you. Dis à Satan, je t'abandonne, je t'abandonne, je t'abandonne. Tell Satan, I abandon you, I abandon you, I abandon you. Viens aussi, même en pleurant. Come, even if it means you should come crying, you'll be saved. Il reste 1 minute. We have 1 minute left. Une minute. 1 minute. Pour entrer au ciel. To get into heaven. Je
Si tu es en haut, tu descends. If you are upstairs, you should come down. Voilà quelqu'un qui est sage. That's someone who is wise. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Satan. Satan. Tu ne retiendras aucune âme ici. You hold back no soul here. Libère au nom de Jésus-Christ. Release them in the name of Jesus Christ. Qui veut venir? Who wants to come? Qui veut venir? Who wants to come? Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous chassons. We cast you out. Tous les esprits qui te retiennent captif. We cast out all the spirits that hold you captive. Satan. Satan. Libère. Release. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Libère. Release. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Libère. Release. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Satan. Satan. Libère. Release. Libère. Release. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Satan. Satan. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous t'arrachons toute âme. We snatch every soul from you. Que tu veux garder captive. That you want to keep captive. Tu n'as pas l'autorité sur les âmes. You have no authority over souls. Jésus a dit que quand il sera élevé. Jesus said that when he will be lifted up. Il attirera tous les hommes à lui. He will draw all men to himself. Libère. Release. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Ora baka shar ga baka la ga shar ga baka shar ga baka. Ara ga baka shur ga baka la ga shar ga la baka. Shur ga baka la ga shar ga la baka shur ga baka la ga shar ga baka. Ara ga baka shur ga la ga baka shar ga la ga baka. Libère, libère. Release, release. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Satan ne peut pas créer un homme. Satan cannot create anybody. Viens Jésus. Come to Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout esprit. Let every spirit. Qui veut retenir une personne captive. That wants to keep anyone captive. Be judged. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Ora baka shara baka shara. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Satan. Satan. Esprit mauvais. Wicked spirit. Libère. Release. Libère. Release. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Ora baka shara baka shara baka shara baka shara baka shara baka. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous détruisons les liens. And we destroy the bonds. Nous renversons les raisonnements. We overthrow any reasoning. Nous renversons les raisonnements. We overthrow every reasoning. Nous libérons ta volonté. And we release your will. Nous libérons ta volonté. We release your will. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Il y a une personne qui doit venir. There is still one person who must come. Je devais arrêter depuis. I had to stop a long time ago. Il y a une personne qui doit venir. But there is one person who must come. Une personne. One person. Où es-tu? Where are you?
Disons merci à Jésus. Let us say thank you to Jesus. Père, merci. Father, thank you. Parce que tu es roi. Tu es Seigneur. Tu as vaincu cette vie. Lui ne semble pas tuer. Kuba kashara wera. Kuba wera kashara wera. Kuba wera kashara wera. Kuba kashara 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 wera. Maintenant, levez vos mains. Now raise your hands. Vous tous qui êtes devant ici. All of you who are here in front. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Me voici devant toi. Here am I before you. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Forgive all the sins that I've committed. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché par mes actions. Say Lord, I acknowledge that I've sinned in my acts. Je reconnais que j'ai péché par mes paroles. I acknowledge that I've sinned in my words. Je reconnais que j'ai péché par mes pensées. I acknowledge that I've sinned in my thoughts. Je te donne ma vie. I give my life to you. Je prie que tu me pardonnes aujourd'hui. I pray that you forgive me today. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. J'accepte qu'on me sépare. To be separated. De toutes les malédictions de ma famille. From all the curses of my family. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De toute la sorcellerie de ma famille. From the witchcraft of my family. Je suis ton enfant, Seigneur. I am your child, Lord. Délivre-moi de tous les mauvais liens. Forgive me. Deliver me from all the evil bonds. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book of life. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Tendez les mains et bénissons-les. Let's stretch out our hands. Avant de bénir, attendez. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ou bien c'est toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit venir? Viens maintenant. Please, is there someone who must come? You should come now. On te supplie même. We are pleading with you. Lève-toi. Rise up. Et viens ici. And come here. Où est cette personne? Where is that person? Avant que l'église ne bénisse les nouvelles âmes. Before the church blesses the new souls. Tu peux commettre l'erreur, mais il faut corriger l'erreur. You can make a mistake, but you need to correct the mistake. Tu seras pardonné. You will be forgiven. Mais ne reste pas là-bas. But do not stay there. Viens ici. Come forward. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Maintenant, tendez les mains. Now, let's stretch our hands. Prions que les plans de Dieu. Let's pray that the purposes of God. Pour ceux-ci. For these ones. Ceux qui ont dit oui à Jésus. Those who have said yes to Jesus. Même à la dernière seconde. Even at the last second. Que Dieu les bénisse. That God should bless them. Que ses plans s'accomplissent. That his plans will be accomplished. Que ceux qui sont malades soient guéris. That those who are sick should be healed. Que ceux qui sont suivis par les démons soient délivrés. That those who are chased by demons be delivered. Le plan de Dieu soit accompli. That the purposes of God will be accomplished. Prions ensemble. Let's pray together. Vous allez suivre les pasteurs. Should follow the pastors, please. Ils vont enregistrer et vous donner certaines informations. Suivez les pasteurs. They'll register you and give you some information. Alléluia. Alléluia. Et nous tendons vers la fin. We are moving towards the end. Je voudrais que chaque jeune, I would like each youth,
créer deux lignes budgétaires dans ses dépenses. To create two budgetary allocations in his expenditure. Pas même chaque jeune, chaque frère, parce que c'est notre ministère. Not every youth, but every brother, because it is our ministry. La première ligne, the first, c'est pour la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale. It's for the youth of Christian Missionary Fellowship International. Sur une base mensuelle, on a monthly basis, tu soutiens cette œuvre dans la jeunesse. You support cette œuvre en milieu des jeunes. You support this work among the youths et des étudiants and students. Tu te dis chaque mois je vais donner telle somme. You tell yourself every month I will give this amount. La jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. The youth of Christian Missionary Fellowship International, Côte d'Ivoire. Il faut budgétiser. You should include that in your budget. Ce que tu donnes n'est pas contraignant, n'est pas contraint, n'est pas forcé. C'est toi-même qui décides. What you are giving is not a constraint. You are doing it by yourself. It's a free will giving. La deuxième ligne, the second allocation, c'est la RTVC. Is RTVC. Radio, télévision, voix de la croix. Vous écrivez comme ça. Radio, television, radio, voice of the cross. You write it that way. C'est notre télévision. It is our television. Qui commence en octobre. Which will kick off in October. Qui commence à émettre en octobre. Which will start broadcasting in October. Il y a certains appareils à acheter. There are some equipment to get. On a déjà donné l'avance. Advance has already been given. Je pense qu'avant la fin de la semaine prochaine, on aura déjà tout acheté. I think that before the end of next week, everything would have been bought. Mais c'est notre télévision. But it is our television. Quand une télévision est créée comme la nôtre, when a television station is created like ours, les premiers utilisateurs sont les frères même. The very first users are the brethren. Parce que quand le leader mondial enseigne là, il n'enseigne pas aux païens, il enseigne aux frères. Because when the international leader is teaching, he's not teaching the pagans, he's teaching brethren. Quand nous allons prendre un message qu'il a donné par exemple à l'église, when we take a message that he gave, for example, to the church, et qu'on va mettre, and then we broadcast, diffuser it through the airwaves, ça sera pour les autres frères. It will be for the other brethren. Et les frères touchés par la qualité de leurs émissions peuvent demander aux païens de regarder leur télévision et ça va marcher. And brethren who are touched by the quality of the programs can now tell unbelievers to watch their station. Ça veut dire qu'il faut une rééducation des frères. It means that we must have a re-education of the brethren. Un jeune Belge a dit, a young Belgian said, autrefois, some time ago, l'église avait des visions. The church had vision. Maintenant, elle a les télévisions. But now it has television. En tout cas, notre télévision ne pourra pas chasser les visions des prophètes. In fact, our TV will not cast away the vision of the prophets. Au contraire. On the contrary, elle sera un prophète. It will be a prophet. N'ayez pas peur d'acheter l'écran et de mettre chez vous. Les choses ont évolué. Do not be afraid. On appelle ça le changement de paradigme. Do not be afraid to buy TV screens in your home.
the times have evolved. That's what we call a paradigm shift. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut anticiper 2 ans ou 10 ans avant, si tu ne veux pas être rattrapé négativement. There are things that you should anticipate 2 to 10 years before if you don't want to be caught up. That is in the negative sense. Si tu achètes l'écran pour regarder notre télévision, c'est une vertu. C'est comme si tu achetais nos livres. If you buy a TV set to watch our TV station, it is a virtue. It's like you've bought one of our books. Qui a déjà regardé les messages du frère Théodore sur YouTube? Who has already watched Brother Theodore's messages on YouTube? Évolue maintenant vers la télévision. Now you should evolve to the television. Ne reste pas dans YouTube caché. Do not remain hiding in YouTube. Les gens qui écrivent les normes, ils ont un adage. Those who write down rules have a proverb. Il dit, sortez des soucis, entrez dans les normes. He says, come out from worries and get into rules, into norms. Nous sommes loin. We are already very far. Vous verrez, on a demandé qu'on arrête. Il y avait beaucoup de bruit ici pour rien. Ça ne serait pas nous. Je ne reconnais même pas cette qualité de production-là. Avant de diffuser quelque chose, ça passe au conseil. Je vous ai dit qu'il y a un centre de production qu'on appelle CIPA. Retenez ça. Le centre de production, centre international de production audiovisuelle. There's a center that I told you that is called the International Center for Audiovisual Production. So it has to validate things that has to be broadcast. Ne diffusez pas les confusions. Do not broadcast confusion. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les gens risquent de croire que c'est ce qu'on leur réserve et ils seront découragés. People risk thinking that that's what we reserve for them and at the end they get discouraged. Je vous dis la vérité, vous-même vous verrez. I tell you the truth, you will see for yourselves. Et il y aura beaucoup de conversions à travers notre télévision. And I tell you, there will be many conversions through our television. Il y aura dedans une émission de renversement des principautés. Même si tu es seul dans la chambre, tu seras délivré. There will be a program for the overthrow of principalities. Even if you are alone in your room, you will be delivered. Pendant le renversement des principautés, il y a eu beaucoup de délivrances. Ceux qui nous suivaient en ligne, d'autres tombaient. Ils tombent, le démon sort. During the overthrow of principalities, there were many deliverances. Even of those who were following us from the airwaves, some of them fell to the ground. Donc, soyons très engagés. So let's be very committed. Pour que ce projet-là réussisse. For this project to succeed. Ça prend l'argent. It needs money. Ça utilise les hommes. It uses men. Et les hommes, des techniciens, des hommes d'un certain niveau. Men or technicians of a certain level. Qui mange? Who have to eat? Vous voyez ce petit là, il faut qu'il se marie. Il est là tranquille. Il faut qu'il se marie, qu'il soit un homme. You see, like this young man, he needs to get married. And he needs to become a man. Il peut rester là et se dire, mais est-ce que les anciens savent même comment je vis? He can even think that do the elders even know how I live? Nous sommes en train de penser à tout ça maintenant. We are thinking of all of that right now. Et si tu as du talent? And if you have a talent, dans l'un de ces domaines-là, viens vers nous. In one of these domains, you should come to us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, vous budgétisez et ça va arriver. So you should make a budgetary allocation
and it will come to pass. Le fonds missionnaire international arrive. The International Missionary Fund is Dieu comes. L'utilise pour bénir les âmes. And God uses it to bless souls. Le fonds missionnaire national arrive. The National Missionary Fund gets to us. Maintenant, il nous faut une télévision. Now we have to get a television. Et il faut que la jeunesse soit puissante. And the youth movement needs to be powerful. Que ce soit un mouvement dans l'église, dans une église vivante. It needs to be un mouvement à part. It needs to be a movement in the living church, not a movement apart. Donc c'est l'église qui doit lui donner les moyens pour travailler. So it is the church that must give it the means to work. Et l'église c'est toi et moi. And that church is you and I. Déjà l'église d'Abidjan donne systématiquement à la jeunesse. Already the church in Abidjan systematically gives to the youth movement. Qui a une question sur ces deux domaines-là? Who has a question about these two domains? Est-ce que tu as quelque chose à dire, Josna? Do you have something to say? Ouais. C'est le responsable technique du dossier de création de notre télévision. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. The Lord bless you abundantly. Je rends grâce au Seigneur pour la parole qui m'est donnée. I thank the Lord for the word that has been given, the floor that has been given to me. Juste pour relever un point. Just to raise one point. Nous savons que les frères sont très enthousiastes. We know that our brethren are really willing. En ce qui concerne le projet de la télévision. About what concerns the TV project. Mais nous voulons encore encourager les frères à s'inscrire, à payer. But we also want to encourage the brethren to pay. Parce que comme a dit le pasteur tout à l'heure, ça demande beaucoup d'argent. Just like the pastor said a while ago, much money is needed. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire un sondage. By the grace of God, I've been able to do a survey. En temps normal, si nous devons aller faire de la télévision, ça nous coûterait 40 millions par mois minimum. Normally, if we want to do a TV station, it will cost us at least 40 million per month. Mais Dieu nous a bénis au travers de certaines relations, ça sera moins que ça. But God has blessed us through some relationships and it is less than that. Mais toujours est-il que si on est juste enthousiaste d'avoir la télévision sans payer, on ne peut pas atteindre l'objectif. So the truth is that if we are just enthusiastic to have a television station without paying, it will not be realized. J'étais avec le prestataire qui va nous envoyer sur satellite la semaine passée. I was with the guy who was to take us to the satellite à Douala. Weeks ago in Douala. Il me disait que il attend notre agent pour qu'il puisse nous envoyer sur satellite et nous envoyer les décodeurs. He said that he's expecting our money to be able to put us on the satellite and send us our decoders. Donc, ce n'est pas une affaire commerciale. C'est juste une affaire que nous voulons acheter des décodeurs même à perte, mais pour que les frères au moins puissent voir la télévision. It's not a commercial issue. We want to get the decoders, even if it means that we should go at a loss, but for the brethren to have our TV in their homes. Eux, ce sont des hommes d'affaires. Ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Nous sommes une église. They are business people. They need money to function, but we are a church. Donc, j'encourage tous les frères à payer leur décodeur, leur parabole. Ce qui a été dit de payer, que chaque frère s'efforce pour pouvoir payer au moins cela. So I encourage all the brethren to pay for their decoders and their parabolic antennas so that all that has to be done should be done as they have been instructed to do. Nous avons commandé 1000 décodeurs, 1000 antennes paraboliques avec les câbles, tout et tout. Si j'évalue le montant, ça peut nous valoir minimum 20 millions de francs CFA. We have ordered for 1,000 decoders, 1,000 parabolic antennas and the cables. So if we evaluate all of that, it can take us to about 20 million francs CFA. Que nous devons payer maintenant pour faire venir l'équipement. Which we must pay to bring the equipment here. Mais non, pas ça. But we don't have it. Les frères qui ont déjà payé, tout ce qui a été payé ne vaut même pas 2 millions de francs CFA. For the brethren who have paid, everything that has gotten is not even up to 2 million francs. Beaucoup de frères sont contents du projet de la télévision, mais n'ont pas encore payé. Many brethren are happy with the television project, but they have not yet paid. Donc, le décodeur coûte 17 000 francs CFA. So the decoder is
17,000 francs CFA. L'abonnement fait 3,000 francs CFA. And the subscription is 3,000 francs CFA. La parabole, si tu n'en as pas, ça te fait 15,000 francs CFA. If you don't have a parabolic antenna, it is 15,000 francs CFA. Et l'installation, nous voulons former des frères pour que les frères puissent faire l'installation chez d'autres frères. Donc, on évalue ça à 7,000 francs, sinon moins que ça. Mais je ne mets pas ça dedans. We want to train some brethren who will do the installations in the homes of brethren, and we are evaluating that it will cost about 7,000 francs or less than that, but it will not be above that. Donc le pack va te revenir à 42,000 francs CFA. So this package will be at 42,000 francs CFA. On a demandé aux frères déjà d'avancer au moins l'argent du décodeur et de l'abonnement. Ça fait 20,000 francs pour le moment. We have asked the brethren to give the money for the decoders and the subscription for now, which is 20,000 francs. Afin qu'on puisse faire venir les décodeurs. So that we can bring the decoders here. Donc maintenant, si tu as tes 20,000 francs, le frère Yannick Mbama a mis une table dehors. Tu peux t'inscrire maintenant et tu auras un reçu pour qu'on puisse avancer. Donc 20,000 francs pour commencer. If you have 20,000 francs, but Yannick Mbama is there, he has set up a table just outside. You can pay and you'll be given a receipt. When the decoders are available, you have yours. Je rassure les frères, ça couvre tous les villages, toutes les villes de l'intérieur. Nous couvrons toute l'Afrique de l'Ouest, nous couvrons l'Afrique centrale, nous couvrons l'Afrique, le Maghreb, une partie du Maghreb. Nous couvrons également les pays comme le Kenya, toute l'Afrique australe. And I want to assure the brethren that even in the villages you'll be covered, because what we have got covers West Africa, Central Africa, the Maghreb and part of East Africa. Donc on couvre vraiment une grande partie. Toute la Côte d'Ivoire est couverte. N'aie pas peur. Paye seulement. So we cover a large part of Africa. Côte d'Ivoire is covered, so do not be afraid. Donc que le Seigneur vous bénisse, s'il te plaît. The Lord bless you. Laisse-toi exhorter. Et so, même, quand tu retourneras dans ta zone ou bien dans ton pays, non, dans ton village ou dans ta région, dis aux frères de payer. Nos numéros, prennent les dépôts, Orange Money et tout. So you should be open to exhortation, and when you go back, you should exhort the brethren in your localities to also subscribe. Le numéro c'est le 08. The number is 08 42 42 08 08 35 35 08 42 08 35 08 42 08 35. Et tu envoies l'argent, tu m'appelles, tu me dis que tu as envoyé l'argent en bonne et due forme. So if you send the money by Orange Money, you call me and tell me that you sent the money. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. The Lord bless you abundantly. Merci beaucoup. Thank you. Il y a une précision à faire par rapport à la budgétisation dont le frère Boniface parlait tout à l'heure. There is some precision to be made with regards to the budget allocation that Pastor Boniface was talking about. Concernant la RTVC et budgétisée pour la jeunesse nationale. Concerning RTVC and for the youth movement, the national youth movement. Et que ce soit pour nous ici ou bien pendant que nous allons communiquer dans nos églises. Whether for us here or when we communicate in our churches. Il s'agit d'ajouter à notre pourcentage que nous donnions déjà. Il ne s'agit pas de refaire le pourcentage pour subdiviser dans les nouvelles rubriques. We are talking about adding to what you already give and not adjusting what you give to integrate these ones. Donc, si tu donnais déjà à une rubrique, par exemple, Fonds missionnaire international, un certain pourcentage. So, if you are giving for the International Missionary Fund a certain percentage. Ne va pas réduire pour mettre dans la jeunesse. Don't go and reduce it to put it in the youth movement. Ou bien tu donnais pour le Fonds missionnaire national, tu réduis pour mettre ça dans RTVC. Or you are giving for the National Missionary Fund, you go and subtract some of it and you put in RTVC. Donc il s'agit d'ajouter. So we are talking about adding. Donc les frères ne diminuent rien par rapport à ce qu'ils donnaient déjà. Ils ajoutent. So the brethren don't reduce anything from what they are already giving. They add. Donc c'est important d'apporter cette précision parce que les frères souvent font des calculs. So it is important to bring this precision because brethren sometimes make calculations. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Pasteur Meunier. Pasteur Meunier. Au nom de tous les campeurs. On the behalf of all the campers. Et au nom de tous les anciens.
And on the behalf of all the elders, les missionnaires régionaux, the regional missionaries, et au nom du comité d'organisation de ce de cette quatrième édition du camp biblique national, and on the behalf of the organization committee of this fourth edition of the National Bible Camp, ces différentes personnes, all these different persons, people, m'ont chargé, have entitled me, de te dire merci, to tell you thanks, que nous avons été enrichis, that we've been enriched, par la qualité de l'enseignement, by the quality of the teaching, la richesse des révélations, the richness of the evangelization, et nous avons pris des engagements, and we have taken commitments, en disant au Seigneur, telling the Lord, qu'il peut compter sur nous, that he can rely on us, et que toi aussi tu peux compter sur nous, and that you too can rely on us. Mais comme vous nous avez appris, but as you taught us, à aimer Dieu, you taught us to love God, à plaire au Seigneur, to please the Lord, à le suivre, and follow him, à l'aimer, to love him, et à se soumettre à lui, and to submit to him, les frères, the brethren, m'ont chargé, have entitled me, de te remettre, to give you, cette enveloppe, this envelope, nous te supplions, we plead with you, de bien vouloir accepter, to accept it, non pas pour les besoins de l'œuvre, not for the needs of the work, mais pour tes besoins personnels, but for your personal needs. Tenons-nous debout. Let us stand, please. Au nom de toute la famille, je vous dis infiniment merci. On behalf of the entire family, I tell you thank you very much. C'est un livre. It's a book. Vous savez, pour être édifié, on lit souvent les livres. You know, to be edified, sometimes you on read books. On travaille sur les vérités qui sont dans le livre. You work on the truths that are in the book. Mais il y a des dons. But there are comme gifts. Celui-là. Such as this one. Qui équivalent au livre. Which is equivalent to a book. Ça dit ça exhorte. It means that it exhorts. Ça encourage. It encourages. Ça enseigne. It teaches. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Père, c'est toi qui bénis. Et quand tu bénis, personne ne peut maudire. Bénis tes enfants. Place-les au centre de tes desseins. Bénis même celui qui ne comprend pas encore. Bénis celui qui comprend. Bénis ceux qui méditent.
Bénis ceux qui planifient. Bénis ceux qui dirigent. Bénis ceux qui suivent.